les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons nos vidéos sur les zooms du produit du moment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une huile sèche. Alors, l'huile sèche que je vais vous présenter aujourd'hui est une huile sèche de Roucou Pura Bali Positive Émotion à l'ambre. Donc celui-ci, je l'ai eu dans une Beautiful Box de je ne sais plus quel mois, je ne pourrais plus vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Présentation, huile sèche de Roucou, riche en actifs hydratants, trésor de la nature, huile sèche hydratant, hydrate en profondeur sans laisser de film gras sur la peau. Fluide, son pouvoir de pénétration est exceptionnel, redonnant immédiatement tout son éclat et sa souplesse à la peau. Fragrance ambre. Donc il est valable 6 mois. C'est une huile de Roucou sèche, comme ceci. Alors ce que je peux vous en dire, c'est que moi je l'ai utilisé. Il sent très bon, puisqu'effectivement il sent l'ambre. Là sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Il a une odeur sucrée, ambrée, que j'adore beaucoup. C'est donc une huile sèche, comme son nom l'indique. Cependant, je ne suis pas réellement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'applique, déjà il faut l'appliquer en très fine couche. Parce que vous voyez, là il a l'air liquide. Sauf qu'en réalité, il n'est pas si liquide que ça. Il est assez épais. Et donc lorsque l'on le met, on va l'appliquer, on va attendre que ça sèche. Normalement, il n'y a pas d'effet gras sur la peau comme c'est indiqué ici. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que une fois sec, on passe le doigt dessus, il y a toujours ce petit résidu, certainement c'est pas grand chose si vous voulez, mais moi je dis que quand c'est une huile sèche et que normalement c'est sec, on n'a pas ce film gras qu'on doit avoir sur la peau. Le fait est que malheureusement, cette huile sèche, pour ma part, n'est pas réellement sèche. Après, elle sent bon, c'est sûr, elle est valable 6 mois, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas la racheter parce qu'il y a ce petit résidu que je n'apprécie pas. Et malheureusement, après, c'est vrai que son odeur est bien, je l'aime beaucoup, mais ne vous attendez pas à vous habiller immédiatement. Attendez bien 5 minutes, même si vous l'appliquez bien, qu'elle pénètre bien, vous aurez ce film gras que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc si vous êtes patiente, allez-y, restez 5 minutes, attendez. Mais si vous êtes comme moi, du genre à ne pas vouloir attendre, il y a d'autres huiles sèches qui ne sont pas naturelles, on est bien d'accord, mais qui sèchent plus vite. Donc celle-ci, je ne pense pas la racheter. Voilà pour mon avis sur cette huile sèche de Roucou. Sur ce, les filles et les garçons, je vous fais un très gros bisou. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne, ce qui me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !